Mais vous travaillez dur. Attention, mademoiselle. Un violent orage va bientôt éclater. Quoi? L'orage, voyez. Saviez-vous qu'à chaque orage, les livres possèdent des pouvoirs? Ok. Mais là, je suis un peu occupée si ça vous dérange pas. Et les livres, c'est pas mon truc. Venir ici alors. L'insolence ne changera pas les choses. Dans tous les cas, je vous aurais prévenu. Thank you.
Mathieu, tu espionnes. C'est pas bien. Oh non, c'est pas bien. Regardez ce que j'ai trouvé. Une petite espionne. Hip hip hip. Nom d'une chaloupe. Mais c'est que les fouineux sont très jolis dans ces contrées. J'ai vu nous espionner des poulets là-bas. Qu'est-ce qu'une jolie demoiselle fait par ici? Soit elle est folle, soit elles vont finir avec la nuit. On n'a qu'à l'accrocher au clafoc. Yeah. Ça fera une belle décoration. Comment? Mais qui êtes-vous? Je sais pas comment je suis arrivée ici. J'étais à la bibliothèque et soudain je me réveille ici. C'était bon, pourquoi vous êtes habillée comme ça? La quoi? Quel est donc ce lieu maudit, ma pauvre enfant? Vous foutez de moi? La bibliothèque? Je suis étudiante en master de... C'est tombé. J'étais en train d'étudier quand un éclair a frappé. Et là, le bibliothécaire m'a dit de faire attention aux orages. Je comprends pas un mot de ce qu'elle raconte. Mais si, tête de bois, elle parle de... Mmh. Écoute un peu, sale ivrogne. Je me suis retrouvée inconsciente sur la plage. Et je sais pas où je suis. Et vous auriez pas un texto que je prévienne ma mère? Tu capes quelque chose, toi? Non. C'est quoi un texto? Il suffit. Je n'entends rien à ce que vous dites. Moi, je dis que vous êtes complètement folle. Je pense, et mes hommes seront d'accord, que nous allons vous vendre au marché des esclaves. Eh bien, vous autres, qu'en dites-vous? Ouais. On pourrait lui faire radouber le navire. Non. Non. Radoubaiser. Oh oui, un doux baiser. Non, je ne vous laisserai pas faire, bande d'ignorants. Oh oui, bande de nazes, il a raison. Qu'est-ce qui te prend, le fendu? Écarte-toi ou tu vas goûter de ma lame. Ouais, écarte-toi, Ratal, ou tu vas prendre la planche. Plaisir à moi sera de vous faire la tête si vous la touchez. Ouais, il va vous mettre une bonne raclée et vous pourrez le pleurer auprès de votre petite maman. Oui, nous avons nos sortilèges. Nos sorcières sont les maîtres de nos villages. Qu'est-ce que tu racontes? Cela ressemble à une mutinerie, l'ami. Alors, fais place. Venez vous aider. Si nous la touchons, le mal se retournera contre nous. Il faut s'en débarrasser, l'offrir au dieu de la mer. Elle nourrit les requins. Excusez-moi, mais je suis pas trop pour. C'est toi qu'on va jeter à la mer. Si tu ne te pousses pas, sale traître. Ouais, sale mutin. Hors de notre chemin. Avez-vous fait bon voyage? Qu'avez-vous dit? Vous êtes-vous évadé avec votre livre? Non, je lis pas. J'étais en train de... La jeune fille, prise de panique, recule et tombe. Un livre
n'est pas seulement quelques pages reliées entre elles. C'est la connaissance. C'est un moyen de s'évader, d'étudier. Les livres permettent d'acquérir le plus extraordinaire des pouvoirs, le savoir. Aimeriez-vous savoir ce qui arrive à la jeune fille? Eh bien, il est à vous. Faites-en bon usage. Mais surtout, n'ignorez jamais le pouvoir des livres. À l'avenir, lorsque vous entrerez dans une bibliothèque, choisissez un bon livre.